Salut tout le monde et bienvenue sur Let's Talk. Je m'appelle Carla. Et moi je m'appelle Louisiane. Et aujourd'hui on veut parler de nos règles. Les règles. Ouais. Déjà dans un couple hétéro, c'est déjà chiant. Mais dans un couple lesbien avec deux filles, si t'es pas synchro, la vie intime peut tout de suite devenir compliquée. Ouais. Faut faire les calculs, tu sais. Oui, oui, le créneau. Combien de temps et tout, machin, créneau. Ok, c'est bon, là, mercredi prochain, on a un créneau entre 15h et 17h. Bam, on le fait. Du coup, ouais. Puisque nous, oui. Évidemment, on est là pour vous faciliter la vie. Toujours. On est les reines de ça. Les reines. Nous, on apporte des solutions. Et c'est quoi la solution ici? La COP! Peux-tu parler un peu de ce que tu penses des COP? Je veux juste déjà dire que toutes mes copines qui vont voir cette vidéo vont se foutre de ma gueule parce que ça fait sincèrement 5 ans que je leur rabats les oreilles, ouais. Mais à tout va, parce que pour moi je considère la COP comme le Saint Graal. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, une COP, donc comme ce nom l'indique, devinez ce que c'est? Une COP? En gros, c'est une cup qui remplace les tampons et les serviettes hygiéniques. Donc, tu l'insères dans ton vagin. Wow. Ça dure 8 heures. Tu peux la laisser pendant 8 heures. Ou même plus. Bon, c'est pas conseillé, mais moi, je le fais plus. Pendant 2 semaines, elle est là. Non, mais n'importe quoi. Et en gros, bah, c'est ça. Hein. Ça récolte ton sang. Et ensuite, il faut juste l'enlever, vider le sang donc dans les toilettes, rincer la cup, la remettre jusqu'à ce que vos règles finissent. Ouais. C'est sincèrement... Ça change une vie, hein. Mais oui, non, mais vous vous rendez même pas compte. Moi, ça fait 5 ans que j'utilise. Je pense que j'ai plus jamais racheté de tampons ni de serviettes depuis que j'ai une cape, déjà de 1. Ouais. De 2, moi, je le sens pas. Et de 3, par rapport à la vie sexuelle, la vie intime, ce qui est cool, c'est que tu peux toujours, à la différence peut-être des serviettes ou des tampons, parce qu'il y a le fil, c'est peut-être pas forcément super cool, tu peux avoir une vie intime. Pourquoi tu me dis ça? Mais toi, tu dis que tu rabats tes amis pour qu'elles like. Bah moi, vu que oui, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé avec moi. Moi, c'est Maureen, en fait. Parce qu'au Canada, j'ai l'impression que c'était un peu plus avancé qu'en Europe. Et là-bas, c'était tout de suite... ça fait des années, justement, que nous, on l'utilise. Et moi, c'est au Canada que j'ai commencé à l'utiliser. Et c'est justement Maureen qui m'avait dit « Ah non, mais il faut que tu le fasses, il faut que tu l'essayes et tout. » Et moi, déjà... Insérer des choses dans mon vagin, j'étais pas sûre, tu vois. Déjà de base. De base, je suis contre. J'étais pas à l'aise. Ouais, j'avais un peu peur, disons, de ça. Parce que déjà, les tampons, bon, c'est déjà un peu chiant, mais j'étais déjà très habituée. Et là, je me suis dit, un truc qui est un cerf, puis que ça s'ouvre, et tu sais, comme... C'est quoi ce truc, tu sais? Et du coup, je suis allée à la pharmacie pour en acheter. Et il y avait deux tailles et tout ça, donc j'ai pris une des cups et tout. Et sincèrement... Est-ce que Maureen t'a guidée pas à pas? Ah non, non, non. Parce que moi, j'ai ma... J'étais seule, hein. Ah bah moi, non. Moi, j'ai ma... Parce que aussi, pareil, c'était une pote canadienne qui m'a d'ailleurs d'abord conseillé la cup. Je l'ai achetée avec elle. Elle, donc elle était derrière la porte de la salle de bain. Elle m'a dit, alors, ok, Louisiane, donc là... Tu t'as genou, ok, c'est bon là, ok. Là, il faut que tu la plies d'une certaine manière, c'est bon. Donc en gros, ça, c'est ça les vrais amis, tu vois. Ouais, bah moi, j'étais seule. Parce que déjà, je pense que quand t'insères des choses dans ton vagin... T'as quand même envie de ton intimité à toi? Non. Déjà, je la pliais pas comme il faut. Je pense que je la pliais pas comme moi, ça m'arrange. Donc déjà, ça avait un peu de misère à rentrer. Et mais je te jure que c'était le pire moment de ma vie où j'étais... Il fallait que je voie, tu vois, ce que je fais. Du coup, j'avais mis un miroir, tu sais, les miroirs que tu mets sur le mur, je l'avais mis à terre. J'étais sur le miroir, comme ça. Avec la cope. Tout qui tremblait. C'était pas la meilleure expérience au début. Tout ça pour vous dire que c'est génial. Mais une fois que j'ai maîtrisé le truc, franchement, ça change une vie quand même. Hein. Juste le fait que la nuit, tu puisses la mettre et que t'as pas de stress de « Ah, il faut que je change mon tampon, ou il faut que la serviette, je sais pas si ça va durer toute la nuit. » Déjà, je pense que le stress de la nuit, tu l'as plus. Moi, c'est vraiment plus aussi au niveau des sensations, parce qu'à un moment donné, un tampon, je me rappelle quand il reste un certain temps, tu commences à avoir mal. Ouais. Alors que la cup, mais moi je bleed, enfin, c'est... Ouais. Tu ressens... Enfin, moi, je la sens pas du tout, moi non perso. Plus. Bah, donc, en ce moment... Oui.
On aimerait bien vous montrer nos copes en ce moment, mais elles sont dans nos vagins. Du coup, on rigole, mais sincèrement, c'est vraiment important. Moi, je tenais vraiment, vraiment à vous faire cette vidéo parce que c'est vraiment... Moi, ça m'a vraiment changé la vie. Ouais. Et je trouve qu'il y a toujours cette... Ce sujet tabou par rapport aux règles des garçons et des filles, et je trouve que c'est dommage c'est parce que c'est vraiment quelque chose de super naturel. On devrait en parler naturellement, on devrait en rigoler comme ça. C'est pas quelque chose de dégoûtant, on a des bébés grâce à ça, ou enfin plutôt quand on en a plus, on a des bébés, mais ça fait partie du processus. Vous m'avez compris. Mais ça fait partie, c'est le cycle naturel de la vie. Et moi je trouve que j'en ai marre que justement que ce soit un peu quelque chose de caché, qu'il faut un peu en avoir honte, faut pas trop en parler et tout. Donc voilà, moi je fais une entière vidéo par rapport à ça. À nos flux rouges. Flux rouges, exactement. Et oui. Vu qu'en plus, on veut vraiment que vous en achetiez, on a décidé de faire une collaboration aussi avec une marque. Donc, en fait, la marque qu'on utilise et qui marche très bien et qu'on vous recommande. La compagnie avec laquelle on collabore pour cette vidéo s'appelle Ruby Cup. Déjà, nous, on l'utilise premièrement parce que elle ne fait pas de tests sur les animaux. Ouais. Deuxièmement, parce que tout est bon pour nous, parce qu'on sait très bien que pour les tampons, les serviettes hygiéniques, pour qu'il y ait cet aspect blanc, ils mettent plein de produits chimiques qui, des fois, peut être très nocif pour nous. Moi j'avais entendu un coup une histoire d'une meuf qui avait perdu une jambe. Oui, je la raconte à tout le monde. Oui, exactement, à cause d'un tampon, parce qu'elle avait fait une réaction allergique. Donc au moins avec la cup, on n'a pas de ce genre de soucis. Silicone, exactement. Vraiment de bonne qualité. En plus, il l'explique vraiment bien sur le site. On vous mettra tous les liens aussi dans la description. C'est enregistré avec le Vegan Society, parce qu'ils font vraiment attention pour pas faire des tests sur les animaux et tout. C'est des valeurs en fait qui nous touchaient quand même. Ouais. Et on peut vous montrer un peu ce qu'on a reçu en fait par la compagnie. Donc déjà nous on a reçu le Sister Pack, qui est les deux tailles qu'elles offrent. Et tu peux choisir ta couleur aussi. Oh ouais. Alors. Pour vous dire, du coup, moi j'ai la petite et Carla a la grande. Ouais, voilà. En ce moment, dans nos vagins, on a... Ça c'est la médium, disons, et ça c'est la small. Et il y a quand même une bonne différence de taille. Et moi j'ai pris les rouges et Louisiane elle a pris les violettes, qui sont très jolies. Et voilà, j'aimerais bien vous parler des tailles, parce que c'est un truc qu'avec ma première cup, quand je l'avais achetée il y a 5 ans, au Canada... J'avais pris une taille small parce que ça disait sur le package que la taille small convenait aux personnes qui n'avaient jamais accouché qui n'avaient jamais eu d'enfant. Et du coup, c'était mon cas, donc je l'ai pris. Mais Ruby Cup, dans leur site et tout, ils recommandent plutôt de se fier à son flux habituel. Ouais, donc si vous avez des règles importantes c'est ou pas. C'est ça, si c'est abondant ou pas, plutôt qu'accoucher ou pas. Parce qu'au final, ça dit qu'il y a des fois des femmes qui avaient accouché qui après prenaient la small. Donc au final, on peut pas trop se fier à ça. Et moi, du coup, avec mon expérience, je recommande plutôt de se fier à son flux parce que moi... Je suis quand même quelqu'un qui en a beaucoup. Et justement, avec la plus petite que j'avais avant, souvent, je devais la changer comme plus souvent que ce qui est comme... T'es pas trop avantageux, disons. C'est vrai que ça te faisait chier à chaque fois. Ça me faisait un peu chier, quoi. Alors qu'avec la Ruby Cup que j'ai maintenant, j'ai tout de suite essayé la grande, la médium. Et du coup, je suis vraiment très contente avec le résultat parce que vraiment, ça me dure vraiment plus longtemps. Et aussi, comment la matière s'est faite, c'est un peu plus rigide que celle que j'avais avant. Du coup, ça se met vraiment bien à l'intérieur parce que c'est vrai que c'est un truc qu'il faut s'habituer. Ouais. C'est sûr que c'est pas de la première fois où vraiment vous allez... donne-moi, parce que je vais leur montrer comment on fait. D'accord. Voilà. Ah, c'est aussi un tuto? Oui, il y a deux façons. Il y a deux façons qui disent de plier. Donc, il y a celle-là, qui est comme en C. Moi, que moi, je fais jamais. Moi, celle-là, j'avais commencé comme ça, parce que c'est ça que j'avais vu. Et du coup, moi, ça m'allait pas du tout. Moi, ce qui me va, c'est ça. Ouais. Comme ça. Comme ça. Et là, et à l'intérieur, ça fait ça. Normalement. Mais celle-là, je trouve qu'avec le matériau, j'ai l'air de faire un cours de sexe, un truc comme ça, sex education. Et avec celle-là, je trouve qu'elle est un peu plus rigide que les autres qu'on avait. Du coup, on avait la même. Et du coup, ça s'ouvre vraiment bien et j'ai aucun problème avec ça. Je suis vraiment très contente avec ma Ruby Cup. Elle est propre, hein, je vous le dis. C'est comme si j'avais une barbe. Tu sais, une barbichette. Ça vous, je le vois. Touche-moi la barbichette.
Un autre truc qu'on a beaucoup aimé de cette compagnie, Rubikub, c'est qu'en fait, ils ont un programme qui s'appelle « Buy one, give one », ce qui veut dire « achetez-en une, donnez-en une ». Et bah, ça veut dire exactement ça. En fait, quand t'achètes une cup avec eux, donc sur le site ou quoi que ce soit, eux, ils en envoient une à une fille qui en a besoin et qui peut pas nécessairement s'en procurer. Donc depuis 2012, ils en envoient surtout en Afrique de l'Est, mais dans 11 pays dans le monde, oui, ils voilà. en envoient une à chaque fois que t'en achètes une. Et du coup, ça, on a trouvé ça super cool et ça nous donnait encore plus envie de collaborer avec eux parce qu'on trouve ça génial. Une des raisons aussi pourquoi j'ai commencé, mais c'est aussi un peu une prise de conscience parce que ouais. c'est vrai que, on va dire, quand t'es pauvre, même d'une manière générale, c'est vraiment la nourriture, enfin les trucs ouais. base de survie qui est la priorité ouais. et tout ce qui est hygiène, etc., c'est vraiment pas la priorité. Et le truc, c'est qu'avec la cup, c'est valable 10 ans, donc au final, voilà, moi je l'achète et après, comme je dis, j'ai pas acheté de tampons et je pensais ça justement ouais. qu'ils disaient ce problème en Afrique, qui souvent elles utilisaient du papier journaux quand elles avaient les règles, etc. Donc moi je trouvais ça super important d'être capable d'aider mm-hmm. aussi des femmes qui c'est vraiment quelque chose que tu peux pas contrôler mm-hmm. et qui fait chier, surtout ouais. quand tu peux en plus pas nécessairement financer ouais. Et du coup dans le site ça disait aussi que des jeunes filles des fois devaient manquer l'école et tout oui. par leur problème de santé et c'est fou parce que avec ça, justement, je pense que c'est vraiment une bonne option ouais, pour justement que ta vie continue pareil, quoi. Mmh. Ouais. Ça pour dire que les cups, c'est vraiment génial. Ça convient pas nécessairement à tout le monde, ouais. parce que je comprends quand même cette idée qu'il faut quand même être assez confortable pour être capable de oui. aller chercher ta cup oui. dans ton vagin. Pleine de sang. Pleine de sang. Enfin, ouais. après, ça dépend comment tu fais, parce que des fois, je pense qu'au début, oui, clairement, il risque d'avoir des catastrophes, vous risquez d'en avoir plein les doigts, mais je pense qu'à un moment donné, c'est comme tout, on ouais. développe une certaine technique. Comme ça, c'est ça, comme ça que tu fais dans ton vagin. Bon, sérieusement, je pense que c'est peut-être pas pour tout le monde, les cups. Et d'ailleurs, Rubikub propose 120 jours où est-ce que tu peux l'essayer, ah oui. voir si c'est pour toi, et même la retourner si jamais ça convient pas. Mais je pense que c'est aussi un truc de pratique. Moi, au tout début, j'étais vraiment pas sûre. Ça ouais. m'a pris vraiment des mois m'habituer à ça. Des fois, j'étais juste plus confortable avec les tampons. Mais vraiment, quand tu t'habitues et quand t'es à l'aise avec ça, vraiment, c'est super. Mais si jamais quelqu'un n'est pas confortable avec ça, ben ça se peut aussi. Mmh, quoi. Mmh, mmh, mmh. Allez, raconte ta petite histoire. Je pense que le seul truc avec la cup qui peut, c'est que c'était ma grosse frayeur, c'était ouais. de l'oublier chez quelqu'un, ou de la laisser là où les gens, parce qu'encore sur une fois, évier. C'est vu un peu comme quelque chose de gênant et tout, mais bon, je me dis que c'est vrai que ça reste quelque chose que tu mets dans ton vagin, et même si ça devrait pas être gênant, c'est peut-être pas forcément quelque chose que quelqu'un a envie de voir. Ouais. Et depuis ouais. que j'ai une cup, donc ça fait 5 ans, je l'ai jamais oublié parce que justement j'étais genre super stressée à cause de ça. On a reçu les nouvelles cups, donc justement de ouais. Rubikub. Je l'ai utilisé une fois chez mes parents, bim, je l'ai oublié. Merde. Le truc, c'est que mes deux parents fument, donc ma cup elle est restée assez longtemps du coup dans la salle de bain. Et mes parents fument beaucoup et je l'ai récupérée le mois dernier. Oh God. Et du coup après, donc j'ai attendu le mois prochain pour avoir mes règles, le mois d'après pour avoir mes règles. J'ai mes règles toilettes, je vais pour la prendre. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu comme un éclair de génie. Et je me suis dit, attends, elle est quand même restée longtemps chez mes parents. Et mes parents fument. Je l'ai senti. Sérieux, ça sentait le cancer. Oh mon Dieu. Ah, je l'ai senti et là, je confirme. Et là, je dis à Carla, genre, si je mets ça dans mon vagin, mais je pense que je meurs. Instantanément. Quelle horreur. Du coup, on l'a laissé à l'air, mais pendant super longtemps, ça a senti pendant... Je l'ai fait bouillir, parce que aussi, c'est la technique pour justement la stériliser et ouais. tout. Il faut le faire à chaque fois. Fin de cycle, ouais. Exactement. Ça partait pas et tout. Là, maintenant, tout va bien. Elle est en moi. Je suis vivante. Mais le début, encore, genre, ouais. oh là là, c'était horrible. Je sais pas si on l'a très bien vendu quand même. J'ai l'impression qu'on a juste raconté des histoires horribles. Bah non, on est très contentes avec nous quand même. De base, on était là, oui, comme ça, la Rubikub peut vous aider à faire l'amour. Pas vous aider, mais au moins... Est-ce que c'était ça le but ? De base, c'était pour apporter comme la solution, c'était ça, tu sais. D'accord. Parce que c'est vrai que du coup, quand tu la mets, eh ben, tu peux faire... C'est propre. Voilà, exact, bravo. Franchement, exact, bim, résumé, fin de la vidéo.
Ouais. Je suis plus sûre que j'ai envie de mettre cette histoire de fumée de vagin dans la vidéo. Pourquoi? Est-ce que je peux mettre un veto là-dessus? Je suis plus sûre si j'ai envie de partager ça. On va voir, on va voir. Et ben voilà, c'était tout pour cette vidéo. Juste un petit rappel qu'on va vous mettre tous les liens en bas de la vidéo dans la description. Quant à nous, on va se voir la semaine prochaine pour une vidéo qui parle de... Je sais vagin leur... J'essaie de leur faire croire qu'on avait préparé des trucs. Ah d'une chose super importante. Lesbienne. Et quant à nous, on se voit la semaine prochaine. Bye, bye.